voulait faire quelque chose, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et en fait, c'est Christelle, donc la sœur de la victime, qui nous a dit, mais faites une manifestation, des banderoles, des chansons, donc c'est ce qu'on a fait hier après-midi, en trouvant des slogans le plus approprié possible. Donc voilà, puis là, c'est toute l'équipe qui est présente, en espérant que ça porte ses fruits, quoi. Puis voilà, on soutient surtout la famille et les enfants, parce que les enfants sont là, ils ont beaucoup morflé, tout le monde a beaucoup souffert, souffre encore. On a eu la reconstitution il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça remet le couteau dans la plaie, et puis là, savoir qu'il est libre, quoi, c'est une aberration. On est un quartier très solidaire. Et voilà, quoi, on passe tous les jours devant la maison, on revit au quotidien ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'ai tout entendu de la maison, les 4 coups de fusil, donc voilà, il y a eu la reconstitution. Donc ça nous remet une couche, là, de savoir qu'il est en liberté, même surveillé, entre guillemets, voilà, c'est pas rassurant du tout, quoi. Donc oui, les premières nuits ont été très difficiles, on a passé des nuits blanches. J'ai fait tout à l'heure, en fait, première, deuxième. Le monde ouvrira enfin les yeux pour y entendre la détresse des proches des victimes. Qui osera un jour mettre cette justice trop malade dans le droit chemin? Pendant que beaucoup d'entre vous pleurent, d'autres cherchent à trouver le moyen de contourner les lois ou y secourir les meurtriers. La justice en France, c'est la honte. Vous êtes tous d'accord? Oui! Donc on a fait des petites chansons hier, donc j'en ai distribué un petit peu. J'essaie de vous rassembler pour que ça fasse un peu...